issue. Voilà, en tant que féministe, c'est so vraiment du quotidien que de se battre pour libérer nos corps. Mais on oublie parfois que c'est finalement un combat qui est assez récent, même très récent dans l'histoire du féminisme en France et en fait, globalement dans énormément de pays, puisque c'est quand même essentiellement à partir de la deuxième vague du féminisme, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième vague, dans les années 1970, qu'on a des revendications très fortes autour du corps des femmes, et notamment Developed an interest in women's bodies and the right to abortion mainly. Finalement, la loi Veil ne date que de 1975. The Veil law dates back to 1975, and these are rights that are not acquired in all countries already. Toutes les femmes à avoir accès à une procréation médicalement assistée montrent bien que c'est absolument pas acquis. Every woman does not have the right to assisted procreation. De reposer cette question, de faire un bilan. So the question is, pourquoi un tel acharnement à nous refuser le libre choix examine quant à notre propre corps. Pourquoi aujourd'hui encore, au XXIe siècle, les corps des femmes sont des enjeux de politique économique, des enjeux de morale, des enjeux de nation, when we talk des about enjeux politics, the economy, de finalement de l'ensemble de la société and, avant d'être tout simplement des choix individuels. Being, individual les normes autour des corps that revolve around women's bodies are extremely guarded by conservationists from all sides. And when we talk about body hair, that's another issue, discussed regularly. And our objective this year was to mention body hair during every workshop, so I've just mentioned it. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça ceci mon corps. Le Vatican joue un rôle absolument majeur pour bien sauvegarder ces normes sociales. Le Vatican, notamment à l'ONU, a un effet absolument destructeur sur notre capacité à faire ce qu'on veut de nos corps. Et cela dans une alliance originale avec les magazines féminins. We also wanted to mention women's magazines and brands that are now guarding the temple of women's bodies. So I think we need to move forward on all these issues and look at the future, look at what is at stake in the near future to try to move forward. Mais aller aussi bien plus loin parce que, et on l'a vu, on l'a vu là dans l'année qui vient de se passer, il y a aujourd'hui beaucoup à dire et à déconstruire et beaucoup de tabous autour du corps médical, autour des... Je pense notamment au SAMU et à ce qui s'est passé avec le décès de la jeune femme, donc Naomi Muzenga, à Strasbourg en décembre, une femme noire qui est décédée après que le SAMU n'ait pas pris au sérieux ses appels. Because the emergency did not take her call seriously. And it was demonstrated that there are many people who witness and talk about events whereby they are not taken seriously when they're in an emergency situation. Dans l'attitude du corps médical et bien au-delà, et également de grossophobie, puisque l'une des people in the medical world, l'un des éléments qui est sorti le plus de l'enquête était autour des emerged is from various surveys and studies is that there is a discrimination. We will talk about that a little later on. We're going to talk about lesbophobia. Voilà, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est, enfin, je pense qu'on would like us to do together, si vous êtes dans cette salle, c'est que le combat, il est bien loin d'être gagné, mais que aujourd'hui, il faut disséquer encore davantage la façon dont ces stéréotypes, dont ces normes, dont ces stéréotypes, dans le corps féminin.
infiltrate our female bodies. And this, regardless of a very wide approach, toutes ces articulations and et, a wide scope of study. So we have to try and change all donc our je vais passer, public policies when it comes to women's bodies. So I'm going to invite our speakers d'être là avec nous. Speak now, and I'm thanking them for their presence here today. First, we have Eugenia Giacomopoulou, who has worked on sexual orientation and gender identity at the Council of Europe. Especially on a project called Access. We're going to talk to Emmanuel Joss, who has founded a group called For Feminist Parenting. We're going to talk to Daria Max, who has founded the group Gra Politique, and Eva Dowling, who has participated in the right to abortion in Ireland. Comment est-ce qu'on peut aussi obtenir des victoires? And who is going to tell us about the recent victory dresser un tableau bien sombre, mais tout à fait réaliste. So first we're going to have a very realistic picture by Eugenia. Eugenia qui va parler en anglais, donc vous pouvez passer sur le canal, je ne sais plus quoi, to channel one, channel one for French. Can you hear me? Yes, okay. Thank you very much for the invitation and the introduction. So I indeed have the pleasant job of giving an overview of the situation in Europe today. And indeed, I don't think personally it's a very bright picture. It's quite quite worrying. But thankfully after me you have some really enthusiastic inspiring speakers that can share some victories as well, and some good practices to you know, feed up some energy to continue the fight. So through my experience, indeed, I was working at the Council of Europe for the Sexual Orientation and Gender Identity Unit, and more broadly on anti-discrimination. So this, combined to my work as an activist with civil society, has given me a bit of a perspective on how women's rights is indeed a battlefield. And our bodies are indeed a battlefield. It's not sadly just a way of speaking, because what we realize today is that it's the entry point for a much broader backlash on human rights. It's being instrumentalized by conservative, by religious parties, by very far-right movements that are trying to deconstruct some things that we take for granted. And it is through sexual and reproductive rights, but also more broadly on gender equality, and then LGBTQ rights that this whole fight is led. I think that, as you may have heard, the notion of gender and the concept of gender ideology is where all of that is crystallized, because it has become the spearhead of the anti-human rights movement. And let's look at some examples maybe, and then we can discuss more together, but looking at what has happened recently, when I speak about Europe, it's maybe confusing sometimes because I come from the Council of Europe perspective, which is 47 member states. Whereas really here it's more about the EU that we're talking about, but the truth is that sadly what used to be a fight between Western values versus more Eastern European countries, Central Asian countries, where you have regimes that are very, very heavily anti women's rights. Now these ideas and through gender ideology are being important even within the EU. So I think the question is very legitimate to be raised. It started with sexual and reproductive rights. So when you think about how women's rights are being attacked and why it's a political battlefield, you obviously think about abortion. And I'm so happy we have you here to say that this
is not necessarily a lost cause. But we do, it's a very emblematic issue because it's something that we always have seen, I think growing up, I took for granted as once you have abortion in a country, it's there to stay, but actually no, it's being challenged even in countries that have it. And in countries that do not, it's still not easily acquired. Women's rights, more broadly, when I was speaking about gender equality, so political representation, not discrimination in the workplace, all these things were always perceived as fights that, you know, you need to fight, and once you're there, it's stabilized, and again, we see the drawback. But it was always sort of a continuous progression. Now what's happening today, and which is devastating, is that actually it's not only undone, but you see concrete measures being taken to prevent this this progress. You see countries, if you think about Bulgaria today. Bulgaria today has its constitutional court that issued a judgment saying that a decision that the Istanbul Convention is unconstitutional. What is the Istanbul Convention? The Istanbul Convention is actually a Council of Europe treaty that combats and takes action to fight against violence against women and domestic violence. You would think that this isn't very controversial, right? We can all agree, Christians, you know, family, people who are, you know, have a very strong vision of what family, nuclear family should be, you would think that we can all agree that violence against women is something that needs to be combated. Well, apparently not. And why is it that this is not clear for everyone? And why is it that in Bulgaria and in other countries you've had immense backlash against the Istanbul Convention because of gender ideology? The Istanbul Convention has a definition of gender in it that says that it's a social construct and that we need to combat gender stereotypes to make sure that we protect women against violence. And because we know that there is a disproportion of women concerned by domestic violence as well, that we need to have a gender perspective in these measures that we take. Well, that clearly was a problem, and it was seized by political movements to introduce the fear that actually this is, of course, a Trojan horse, that behind it is the gay lobby, and that this is all to create, to destroy gender and gender roles, and that we need to protect biological definitions of gender, and that this is all just to impose some weird Western non-traditional values on the Bulgarian society. So this brings me to another very important point when we discuss this. It is bigger than women's rights because through women's rights, through women's bodies, through LGBT people's rights, you see how there is it's transformed into a question of national identity. And this is where it's very disturbing. It becomes, actually, if you sit there and deconstruct what is behind the gender ideology fear, just to be clear, gender ideology is not a thing. It's a false news. It's a fake news. It is a fake news. It's not an academic movement. It's not anything at all. It's a theory that has been built up as a narrative to attack women's rights. And actually, it ties, if you look into it, it ties very quickly with things such as white supremacists, you know, racism, xenophobia. All these are sort of interrelated, and there we could go really far. So I'm going to come back to my political battlefield through women's bodies. So I think the Bulgarian example is very scary because it's gone really far. But you had other places like Croatia where you had a lot of resistance because the gender ideology narrative was very efficient, and you could see through media photos of massive street demonstrations with women holding banners to opposing the Istanbul Convention. Again, this is the convention to combat violence against women and domestic violence, and it is dramatic to see that they actually managed to get women at the forefront holding those banners. So this is why, you know, it's for me harder to be sometimes very optimistic.
Of course, behind all this, we know there is the Vatican rhetoric, but it has been taken on by very successfully by Russia, which has been instrumental in building up these narratives. By the way, speaking of also taking preventive measures to prevent progress, or going back on what has been acquis, Russia decriminalized domestic violence a year ago, I believe. Not all of it, but, you know, in their view, giving a little slap here and there is not a bad thing, whereas actually separating a mother from her child or from her husband would be very intrusive in and destroy the family. So you see how they're actually doing an incredible thing, which is to reverse the, they reverse the victimization, they reverse the narrative. And this is all happening in front of our eyes, and we are not, we don't yet, I think, have the tools to really oppose that, and we need to wake up and find how we, how to reclaim our rights, because they are taking our own tools, human rights, and put it, first it was right to life, you know, for abortion. Now it's best interest of the child for LGBT families. You see that it goes on and on, where religious rights become a right to discriminate. So the perpetrators of discrimination or violence are now victimized somehow through this approach. So a lot to be really concerned about. Looking at LGBT rights, I think it's even, I was mentioning women's rights as the entry point to these anti-rights movements and this much broader attacks on core fundamental values of Europe. But LGBT rights are the entry point into attacking women's rights. So, of course, it's because it's very easy to make a case for them that it's against religious values. They oppose LGBT families to family and traditional values. So same-sex marriage is always creates unprecedented debates in a lot of societies, even where you would not suspect that homophobia is so prevalent, like France. Again, we have such a wonderful example. Thank you, Ireland, to contradict what I'm saying. and then we need to also discuss trans identities, because one issue is is the same-sex marriage. The other is trans identities are turned upside down in the in these anti-human rights discourse. A lot of very inaccurate information is spread. Questions of third gender, which are third sex, which is a wrong way of referring to non-binary persons, but again, which they bring into the equation a very wrong way. And don't discuss these questions. They only use them to create fear that it's going to destroy society and the social fabric. And of course, if you think about the LGBT community, we're in an intersectional way. Lesbian, bisexual, and trans women are going to be the last ones on that whole equation to be protected. It's often and sadly a bargaining chip. I think we see, maybe now in the Council of Europe member states more, but an example that to me spoke volume, that there wasn't, in my sense, the push necessary from international organizations, from the EU actually, that was promoting a law on non-discrimination in Armenia. The one ground that was not included and that apparently we let go of was LGBT rights, so sexual orientation, gender identity. So it's always going to be a bargaining chip, and even within that movement, that tendency, lesbian, bisexual, and trans women are going to be even less protected. And this is what we saw in France, where we did get gay marriage, but yeah, we did not get medically assisted procreation. It concerns mostly women, only women. Just to give you some numbers, according to ILGA Europe,
and their index. You have 13 countries as of May 2018 when they issued their last index. 13 countries right now in Europe, but it's only European. It's only your EU member states, but 13 out of the 47 member states of the Council of Europe that have medically assisted procreation for couples of women, 26 for single women, interestingly. But it doesn't mean that it's necessarily 13 more, because in some countries you have single women that have the right but not couples, and in others where couples have the right but not single women. I think I'm just going to leave it at that. I don't wish to advocate for pessimism, but I think there's a lot of things we cannot take for granted, and I'm going to give the floor to the more positive example. Merci beaucoup. Et si avec si avec un constat comme ça, on peut encore situation, croire que, you can still think que ce sujet est annexe ou anecdotique dans un combat d'un parti politique, je ne comprends pas. J'espère qu'on pourra en parler I hope we can talk about that in the discussion. But it is obvious that the topic is much wider than what we could think. And furthermore, sur nos luttes et nos stratégies de lutte, strategies for fighting and our fight, we're always on the defensive and we cannot actually manage to become offensive. And that is also going to be debated. Then maybe you can talk about the offensive side and to say that you... Emmanuel Jos, who organized that. Thank you for your invitation. It's good to be there with feminist friends. And I agree with Edwina Yevgenia to say that the narrative was sufficiently efficient so that we understand that the idea of a family is family as understood by the reaction side. And our collective, the PAF, was also born out of that anger because we feel we're not being represented in this representation of family. Talking about maternity, it's something which still stays in spite of all the fights. It's always very difficult for women because of social pressure is still very important, and that creates a certain amount of injections, which is incredible, but talking about the fights, I'm going to try to limit three main focuses for women. Our first fight is to make sure that all the women can actually use their reproductive possibilities of the body as they wish, have a child when they wish and as they wish, which means that they can choose their contraception. That is not obvious when you look at the doctors, and we've had many testimonies on the network, social network, something that's just incredible to read today. So the situation
is not brilliant at all. Ensuite, le pendant en fait, de pouvoir bénéficier d'une IVG, c'est le droit d'avoir un enfant sans demander right l'autorisation à quiconque, sans subir les préjugés des soignants, de la société. Donc la PMA pour toutes s'inscrit naturellement dans ce combat. Appartient aussi à ce combat toutes les discriminations que subissent des femmes qui sont déjà victimes d'oppression. Daria du collectif Grain Politique pourra parler des préjugés grossophobes auxquels sont exposées les femmes grosses, notamment par les soignants. Je laisserai développer ce point si tu le souhaites. Et puis on peut également mentionner l'estigmatisation dont sont victimes les femmes racisées quand elles se rendent à l'hôpital, les femmes racisées à qui on reproche de faire trop d'enfants parce que ne savent pas gérer leur contraception, à qui on va dire qu'elles sont plus tolérantes à la douleur, ce genre de témoignages qui sont notamment sortis lors du scandale qui a mis un peu de temps à monter, mais qui a été la mort de Noémie Muzanga. Donc ça, c'est le premier de nos combats, c'est vraiment cette possibilité de décider en fait dans des bonnes conditions qu'on va devenir parent. Deuxième combat, ça va être celui de mener une grossesse et de mener un accouchement sans devoir lutter constamment pour préserver son intégrité, pour garder son autonomie, pour ne pas être considérée comme une idiote qui, à chaque fois qu'elle va dire à un médecin qu'elle va passer pour quelqu'un qui va mettre en danger la vie de son enfant, etc. Donc, ils sont mis à un chantage qui est quand même très oppressant parce qu'il suffit qu'elle boive une goutte d'alcool pour qu'on lui dise qu'elle va avoir un enfant malade. Il y a tout un continuum d'oppression qui vont des stéréotypes liés aux femmes enceintes et aux parturientes jusqu'aux violences obstétricales qui, là, heureusement, sont un enjeu qui sort, depuis trois années, s'impose vraiment dans le débat public. Et c'est d'ailleurs assez incroyable, les faits qui sont racontés sont d'une extrême violence par moment, ça a été des choses minimisées, mais il y a vraiment un chantier à défriger. Et donc je rappelle les conclusions du rapport du Haut Comité à l'égalité femmes-hommes qui sont sorties en juillet, et qui disait la première des choses à faire là-dessus, c'est documenter le phénomène, puisqu'on est encore dans des polémiques entre un corps médical qui est extrêmement rétif à s'entendre dire qu'il est violent, et du coup, il y a des batailles de chiffres on n'est pas toujours aidé par les politiques. Quand la secrétaire d'État va se planter sur le chiffre du nombre d'épisiotomies, c'est très mauvais, par exemple. Donc, il faut documenter le phénomène à la fois en ayant des statistiques globales au niveau national, une enquête de santé publique, mais également en ayant des indicateurs par maternité sur le taux des épisiotomies, par exemple. C'est une chose très intéressante. Ensuite, il faut former les soignants en aval, les sensibiliser davantage à tout ce qui est sexisme. Et en amont, sanctionner les pratiques sexistes signalées par les patientes et qui ont du mal à remonter. Dans ce continuum, il y a tout ce qui est se réapproprier globalement son corps quand on est une femme enceinte dans l'espace social. Les femmes en France ont en moyenne à peu près deux enfants. Une grossesse, c'est un moment rare, c'est un moment précieux, on investit de beaucoup de choses, et du coup, c'est complètement dingue. Tout le monde sait mieux que vous ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger, comment il faut dormir, comment il faut prendre du poids, comment il faut prendre du poids, etc. Et ça devient un truc qui rend marteau et puis qui relève de micro-agressions menées pendant plusieurs mois sur tout ce qui est jugement par rapport à vous. On voudrait parfois être invisible pour ne pas avoir à supporter une espèce de regard social constant. Et des injonctions qu'on épargne en revanche à votre conjoint ou votre conjointe qui ne porterait pas l'enfant, parce qu'il y a très très peu de sensibilisation auprès du deuxième parent sur ce que peut représenter en termes d'engagement physiologique une grossesse et un accouchement. C'est-à-dire que, on connaît toute la préparation physique des champions de l'équipe de France, on sait qu'ils ont eu un massage, un machin, etc. Mais si vous parlez avec des hommes notamment, ils savent très très peu ce que représente une grossesse en termes de comment le corps change, l'impact, ce que
ça, tout ça. Et je pense que pour des gens qui sont déjà très peu conditionnés à être dans le care, dans le soin, à l'écoute aux autres, et ben, ça ne prépare pas du tout à l'état de fatigue et au fait que la personne avec laquelle ils vivent va avoir besoin de soutien, d'aide et qu'ils ont un rôle à jouer. Donc on dit beaucoup aux femmes, et pour l'accouchement, on dit aux femmes, écoutez-vous, faites-vous aider. On ne dit jamais aux hommes ou aux conjointes, écoutez-la, aidez-la. Alors que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et le troisième combat, donc une fois qu'on est dans les layettes, etc., ça va être le droit des femmes à mettre leur corps au repos, le droit des femmes à ne pas s'épuiser dans la parentalité. Et là, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant, c'est le corps est un champ de bataille à la sortie d'un accouchement. Il y a une femme qui travaille dans notre collectif qui est sage-femme et qui dit le corps des femmes pas de tout temps, mais il est liquide à la sortie d'un accouchement. Il y a du sang, on est épuisé, donc on pleure, il y a toutes ces choses-là. Et ce qui est très, très frappant, c'est que autant on a été survisibilisé pendant toute la grossesse, surveillé dans ce qu'on mange, etc., autant là, on est complètement invisibilisé. Et ce corps fatigué, ce corps défaillant, ce corps empêché, il est complètement... Il faudrait le plus possible qu'il sorte de cet état où on vient d'avoir un enfant, donc il ne faut pas du tout que ce soit invisible. Justement, je pensais à... Je vais mettre du poil dans le... J'y suis tombée le jour comme sur un article « Comment s'épiler après une épisiotomie ?» On a la chatte en feu et on nous explique qu'il faut se préparer le corps pour la plage. Je vous assure, c'est des trucs de fou. Et ça, c'est sur des forums, Magic Maman, donc c'est des choses qui sont quand même très, très... qui ont un impact fort, en fait. Donc il y a vraiment... il y a vraiment un gros travail. En fait, la prise en compte de la fatigue maternelle qui, dans ses formes les plus graves, peut aller jusqu'à la dépression postpartum, à des choses extrêmement violentes. C'est non seulement un enjeu d'égalité, mais aussi un enjeu de santé publique, en fait. Et c'est pour ça que la première campagne de notre collectif, ça va être de lutter pour que la durée de l'accueil de l'enfant au domicile soit la même pour le père ou pour la conjointe et pour la mère, puisque il y a vraiment, quand on rentre à domicile avec un nourrisson, on a besoin de se reposer. Ce n'est pas seulement une histoire de répartition de la charge mentale, etc. C'est aussi simplement se remettre en forme. En fait. Quand on sort d'une jeune fille qui a été opérée d'une appendicite, elle en est sortie, elle est restée une semaine à la maison, je crois, tranquillement, elle a regardé des séries sur Netflix. On sort d'un accouchement qui est l'équivalent d'un marathon, encore un marathon peut boire. Et ben on sort d'un accouchement, on rentre chez soi pour peu que votre mari ou votre conjointe ou la personne qui est auprès de vous soit pas disponible, elle ne va pas prendre son jour de congé qui sont déjà ridicules. Et résultat, on se retrouve avec, on dort par séquence de 3 heures, on perd du sang, on n'est pas bien, etc. Et il y a une dépolitisation très très forte de ça, puisqu'on est sans cesse renvoyé au fait que ce sont les hommes, c'est normal. Madame, etc. Alors que non, il y a une prise en charge à faire, il y a une vraie lutte qui est celle d'un allongement du congé, ce qu'on appelle le congé du coparent, parce que l'idée, c'est pas seulement sur le congé paternité, et c'est pas seulement un congé pour le deuxième parent, ça pourrait être aussi la présence d'une aide familiale, puisqu'on peut éventuellement souhaiter être aidé par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup et on va y revenir. J'ai l'impression que ça résonnait chez pas mal de personnes, de femmes dans la salle. Je vais tout de suite passer la parole à Daria Marx. Daria, merci beaucoup d'être là. Je voulais donc tu as publié avec Eva Pérez Bello ce livre là, Gros n'est pas un gros mot. Que vous pouvez trouver à la librairie des journées d'été, que je vous invite fortement à lire, qui est extrêmement pédagogique et didactique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment tous les sujets. Alors, je sais que tu ne vas pas avoir le temps de tout traiter, c'est pour ça que je le dis d'avance, allez acheter le livre après. Et moi, vous avez toutes parlé de champ de bataille pour l'instant, et alors, je vais vous lire la dernière phrase du livre. Eh oui, désolée.
Notre corps est un champ de bataille, nous réclamons un armistice. Voilà, j'ai envie que tu détailles ça, mais tout le reste aussi, alors je te laisse choisir. Ok, c'est parti. Merci pour l'invitation. Thank you for the invitation. D'abord, avant de commencer, je veux juste qu'on fasse un constat de qui on parle et de quoi on parle. Si on regarde autour de nous, on est des femmes blanches, a priori assignées des femmes à la naissance. Je regrette, mais je sais que ce n'est pas ta faute, mais je regrette le manque de diversité de ce panel. Je regrette aussi le manque de diversité dans le public, parce qu'il y a une majorité de femmes. Et les deux mecs au fond qui parlent, c'est des mecs cis blancs, comme d'hab. Donc... Voilà. Women practically, and at the end, we have two men talking about something else, and I'm getting annoyed at that. Tu te tais! Please shut up. Merci. Thank you. Oui? Merci. Voilà. Merci. Donc, je m'appelle Daria Marx. J'ai cofondé un collectif qui s'appelle Gras Politique. Car le gras est politique, notre gras est politique, nos corps sont politiques. Qu'est-ce que c'est que ce collectif? On est un collectif qui est, attention les gros mots, on est queer, on est féministe et on lutte contre la grossophobie. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi je répète ces mots? C'est parce qu'on pense la lutte contre la grossophobie de la même manière qu'on pense les systèmes de domination dans la politique queer et dans les politiques féministes. On pense que les personnes grosses, parce que je ne vais pas dire les rondes, les voluptueuses, les généreuses, les sensuelles, les calipiges, je ne sais pas quoi. Appelons un chat un chat, un gros gâteau, un gros chèque, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, une personne est grosse quand elle est grosse. Merci d'avance de respecter ceci et de ne pas m'insulter en disant « Mais non, tu n'es pas grosse, tu es jolie, je m'en fous, ta gueule. » Bref, tout ça pour dire qu'on pense des systèmes de domination parce qu'on est oppressé et que vous, les gens qui n'avaient jamais eu de problème de poids ou qui n'avaient jamais été confrontés à l'oppression systémique, grossophobe. Alors moi, je parle de la France parce que c'est le pays où j'habite et c'est la situation que je connais le mieux. Mais il y a une réelle oppression systémique des personnes grosses. Le problème de la grossophobie, pour résumer, c'est très compliqué parce que c'est une discrimination qui s'immisce dans tous les schémas de notre vie, toutes les strates de nos vies. Ça commence dès l'enfance quand on est un enfant gros. Everything in our life, it starts when you're a child. 80% des enfants obèses ont eu des environnements familiaux toxiques. Ça veut dire que dès la petite enfance, l'obésité est un problème au sein de la famille. L'enfant obèse est rejeté, l'enfant obèse est stigmatisé. La privation des chances, elle commence dès l'enfance pour les enfants obèses. Il y a tout ce qui impacte les études. Les gens obèses font moins d'études parce qu'ils sont stigmatisés, parce qu'ils sont jamais mis en lumière dans le cours de leurs études. Les enfants obèses ont du mal à s'intégrer. Ils subissent du harcèlement à l'école. L'année dernière, il y a un petit garçon qui s'appelle Christopher, qui avait 11 ans, qui se faisait traiter de gros lard à l'école. Qui se faisait harceler à cause de son corps gros et il s'est pendu. Donc ça va jusque-là et c'est très grave et ça se passe en France. C'est très important. Dans le courant de la vie, l'accès à l'emploi, c'est un vrai problème pour les personnes grosses et ça c'est documenté par des gens qui font des études sérieuses. Ce n'est pas juste de la très grande paranoïa de notre part. Une femme a à peu près 10 fois moins de chances d'être rappelée pour un entretien si elle met une photo de sa personne obèse sur son CV. Un homme, c'est 6 fois de moins. Le parcours à la maternité pour les personnes obèses est dramatiquement compliqué parce que toutes les grossesses sont considérées comme pathologiques dès que vous êtes en IMC supérieur à 30, ce qui définit l'obésité, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas choisir de là où vous allez accoucher, de comment vous voulez accoucher, de comment vous voulez être suivi. Vous êtes complètement surmédicalisé, vous n'avez pas le droit de décider d'un plan de naissance, vous ne pouvez pas accoucher en maison de naissance, c'est extrêmement compliqué. Et la PMA pour tous et toutes, on n'y est pas encore et on l'attend de pied ferme. Mais quand vous êtes gros, au-delà de l'IMC 30, vous n'avez pas accès à la PMA. Si vous avez des problèmes de fertilité, ou même si vous n'avez pas de problème de fertilité, mais que la personne avec qui vous souhaitez avoir un enfant a des soucis de fertilité, vous n'avez pas accès à la PMA parce que votre grossesse sera
jugé comme pathologique et que ça coûte trop cher de prendre un risque de PMA sur une grossesse pseudo-pathologique. C'est extrêmement grave. Nombreuses sont les personnes qui doivent faire appel au comité d'éthique médicale pour pouvoir se faire valider une demande de PMA. Ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Où est-ce que j'en étais? Donc le travail, la médecine. Alors là, j'ai parlé de maternité, mais la médecine, au sens général, c'est un carnage pour les personnes grosses qui sont sous-diagnostiquées, qui subissent un manque d'équipement flagrant dans tous les hôpitaux. Il faut savoir que dans tous les CHU, donc les CHU sont quand même nos grands hôpitaux qui devraient faire la fierté de notre système de santé, il y a un équipement pour obèses. Par exemple, il y a un fauteuil roulant pour que je mette mon cul dedans. Clairement, si on est deux gros à se casser la jambe ce jour-là, on est 20% de la population. Il y a un moment, que vous le vouliez ou pas, il va falloir s'équiper. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on ne va pas crever par terre. Ça, c'est impossible. Ça, c'est très grave. Plus la grossophobie des médecins, parce que les médecins sont des grands grossophobes. Quand vous arrivez avec une écharde dans le pied et vous dites qu'il faut faire un régime d'abord, d'accord, mais qu'est-ce que ça va changer à mon écharde? Plus industrie, je vous passe l'industrie de la mode, les régimes, les Christina Cordula, les docteurs du corps, tout ça, parce qu'on sait a priori tous, on est entre gens intelligents, donc on sait tous que c'est de la merde, donc je ne reviens pas dessus. Même dans la mort, on est discriminé, parce qu'aujourd'hui, se faire aller au crématorium, on n'y va pas nous-mêmes, parce qu'on est mort, mais aller au crématorium quand on est une personne grosse, ça coûte plus cher, parce qu'il faut brûler plus longtemps. Et puis les cercueils XXL, ça coûte aussi plus cher, et puis c'est pas prévu dans les conventions obsèques. Si vous voulez acheter une maison quand vous êtes une personne grosse, ça va être très compliqué d'avoir un prêt parce que personne ne veut assurer votre prêt parce que vous êtes un corps défaillant. Donc personne ne veut vous assurer. Il faut passer par des systèmes de conventions d'assurance qui sont extrêmement compliqués, surtout pour les gens qui peuvent avoir des difficultés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, si vous superposez la carte de l'obésité et la carte de la précarité, ces deux cartes se rencontrent complètement. Et c'est un cercle vicieux parce que vous êtes issu d'un milieu précaire, vous êtes obèse, et puis comme vous n'avez pas accès aux études ni aux emplois parce que vous êtes obèse, vous restez dans un milieu précaire, alors vous êtes obèse, et puis vous êtes précaire, alors vous êtes obèse, alors vous êtes précaire, alors vous êtes obèse, alors vous êtes précaire. Comme ça. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc moi, grand politique, pourquoi? Pardon. Parce que moi, je suis militante à la base, une militante féministe, et que je ne comprenais pas pourquoi jamais, nulle part, dans les mouvements féministes que je fréquentais, on parlait de la grossophobie. Parce que c'est un problème majeur pour les femmes et les minorités de genre, c'est un problème majeur, et le féminisme français ne s'y intéresse pas du tout. Donc nous, on a décidé de prendre le gras par les cornes et de s'en emparer, et en fondant grand politique. On a trois leviers d'action. On travaille pour les concernés. Pour les concernés et eux, pour les concernés et, mais surtout pour les concernés et eux, les minorités de genre, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'activités en non-mixité, femmes et minorités de genre. On fait ce qu'on appelle du yoga. Donc, du yoga pour les gros, du yoga. C'est drôle, applaudissez. Donc c'est un rendez-vous presque hebdomadaire où on travaille sur le yoga parce que le yoga c'est un sport individuel. Donc on n'a pas de problème de compétition, de choses comme ça. On a une prof qui nous encourage à pratiquer les yeux fermés, donc on n'a pas le regard de l'autre. Et c'est à la fois un sport parce que les gros on nous explique toute notre vie qu'on n'est pas capable de faire du sport alors que, surprise, nos corps peuvent faire des choses. Donc on retrouve nos corps, on réapprend aussi à faire du sport de manière bienveillante. On a des sorties piscine avec des gens qui ne sont pas allés à la piscine depuis 20 ans parce qu'ils sont tellement moqués, ils ont tellement mal qu'on est à la piscine. On fait des groupes de parole sur la grossophobie parce que ça n'existe pas et c'est capital qu'on puisse s'organiser entre concernés autour de ces questions de grossophobie. On fait des soirées, on fait plein de choses pour les concernés. On fait de la deuxième axe, c'est la pédagogie pour vous là, qui n'avez aucune idée de ce qu'est la grossophobie, de comment on souffre de grossophobie. Donc on intervient auprès de collèges, de lycées, de syndicats, d'associations, de partis politiques. Vous êtes notre deuxième parti politique cet été. We are second political party. Et donc voilà, on fait de l'éducation, on intervient beaucoup là. Et le troisième, c'est du lobbying. On essaye d'influencer les institutions pour qu'elles prennent en compte la donnée grossophobe et les gros dans leurs décisions. Notamment en décembre dernier, le 15 décembre dernier, l'organisation à la mairie de Paris et le lancement d'une campagne qui s'appelle Stop Grossophobie, que vous avez peut-être déjà vu dans les rues de Paris si vous êtes parisien ou parisienne. Voilà, c'était un joli événement. Was a nice voilà. Event. J'ai beaucoup parlé. Juste une thank you. Ouais, bravo.
C'est juste une toute petite question de précision. Est-ce que vis-à-vis du corps médical, dont tu as pas mal parlé, vous avez aussi une action de, je ne sais pas, de pédagogie sort of action, pedagogical action? Alors, on existe depuis deux ans, donc on n'a pas développé tout ce qu'on voudrait développer. La première action qu'on a mise en place, c'est deux listes sur notre site, une liste safe et une liste unsafe. C'est-à-dire qu'une liste safe, on recense tous les praticiens qui nous ont été déclarés par des concernés comme pas grossophobes, ils sont OK, tu peux y aller tranquillement. Et une liste unsafe, où les gens font des témoignages de violences médicales grossophobes qu'ils ou elles ont subies, et on inscrit sur cette liste les gens avec le témoignage. Alors ça nous pose évidemment des problèmes, car le corps médical n'est absolument pas prêt à prendre ses responsabilités. Et donc là, on a reçu récemment un courrier de l'Ordre des médecins qui nous demande d'enlever la liste de notre site, ce qu'on ne fera pas, parce que la loi va bientôt changer. En plus, on va avoir le droit de noter ses médecins, et alors là, les gars, ça va être festival. Donc on ne va pas le changer, mais en tout cas, oui, on veut, comme dans toutes les micro-communautés, on est une micro-communauté, mais on est 20%, quoi. Donc on n'est pas une micro-communauté. C'est comme les femmes, on n'est pas une minorité, quoi. On est là, quoi. Mais en tout cas, on a les mêmes stratégies que les micro-communautés, où on s'organise on essaie d'organiser le bien-être collectif, en passant par des outils comme les listes, les choses comme ça, parce qu'on ne veut plus aller chez le médecin et se faire humilier. On ne demande pas aux gens de ne pas parler de notre poids. On est gros, on le sait, c'est OK. On peut en parler, ce n'est pas le problème. Juste quand je viens avec une jambe cassée, ne me dis pas qu'on va perdre 30 kilos et on va dire non, soit ma jambe cassée. Quand j'ai une angine, ne me prescris pas une chirurgie de l'obésité. Ça n'a rien à voir avec mes amygdales, ça ne va pas régler mon problème. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Angina or whatever. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Bah, écoute, je vais te laisser la parole tout de suite pour parler un petit peu de choses positives qui progressent et si tu peux nous dire en particulier ce qui, d'après toi, a fonctionné dans cette grande victoire en Irlande. To reach that big victory in Ireland. Hello, can you hear me? Great. Thank you so much for the invitation and the introduction. I'm absolutely delighted to be here in Strasbourg with so many green and feminist friends and colleagues. So 3 months ago today, Ireland voted overwhelmingly in support of repealing the Eighth Amendment to our Constitution. Thank you. And to legalize safe abortion services for women and for girls in Ireland. Just to give you a bit about my own background, I'm here from the Green Party in Ireland, where I work in a voluntary capacity for the past 6 years. I worked on the strategy for the repeal campaign with my colleagues. In my day job, I am a PR consultant, and we're the PR consultancy, the public relations consultancy for the Together for Yes, the overarching national campaign advocating for a yes vote in the repeal campaign. And prior to that, we worked with the Coalition to Repeal the Eighth Amendment for the previous 3 years on their campaign, which was an umbrella group for about 100 civic and political organizations calling for a vote for a repeal. I also founded the Scientists for Yes platform before the vote itself, and I convened that in the lead up to it. So I've been full on dedicated for quite some time to make this change happen. So I've been asked to discuss the factors that brought about this vote, and I'm going to speak about three things. I want to first give you a sort of historical and political context to why abortion was illegal in Ireland. My background is in sociology, so I kind of approach it from that perspective. I'm going to speak about the campaign itself, and then some reflections about why I think it was a success. So to jump into the kind of the historical background, I think a lot of people would look at Ireland and say, you know, okay, why is abortion illegal? Ireland is a predominantly Catholic country. Of course, it's going to be illegal. But I would say that you need to look at it a little bit deeper than that. Ireland is also a very new state, and we gained, you know, some independence from the United Kingdom, from Britain, about 100 years ago, just a little less than 100 years ago. And once the state was formed,
We handed over a lot of powers to the Catholic Church to run certain aspects of the state. So to this day, 92% of our schools are under Catholic patronage, and a lot of our hospitals, including our maternity hospitals, are owned by the Catholic Church, although they have less kind of influence, I suppose, in the day-to-day running. Not no influence, but less. So I suppose it's just in the kind of the building of Ireland as a nation and a nation state and a new kind of nation, there's that kind of duality that's important. So it's quite a cultural shift that needed to happen. In the 1970s, we're sort of backtracking on some of these issues. So for example, contraception became legalized. The marriage bar, which stopped women from being allowed to work after they became married, was also lifted. So kind of in the lead up to 1983, when the Eighth Amendment was brought in, there was sort of a grassroots movement on the other side that wanted to enshrine in our constitution this ban on abortion. I'm just going to read what the Eighth Amendment says. It states, the state acknowledges the right to life of the unborn and with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right. So effectively what this meant was, for the following 35 years, and to this day, as we don't have legislation yet, doctors and nurses and all medical practitioners had to give equal precedence in their care to both the woman and to the fetus, and to the embryo, like from the get-go. And this is obviously, you know, it was very, very difficult. There are two kind of big cases that happened during this time, which were probably to the fore of the media. This would be the X case in 1992, where a 14-year-old girl was raped, became pregnant, and was suicidal, and was not allowed to leave the country to have an abortion. Eventually she could, but she had a miscarriage. And the death of Savita Halappanavar in 2012, who was a 32-year-old dentist who was having a miscarriage and died of septicemia because she was not given an abortion because they could still hear the fetal heartbeat. So how did this, you know, kind of bring about the campaign itself? I mean, we have had numerous referenda. We've had directives from the European courts, we've had from the United Nations, but still there wasn't quite that kind of that groundswell movement to, you know, down tools and make this happen, which I would have liked. But it just kind of wasn't there, and all the polling was saying that it was 50-50, that it was very, very close. Last year, in 2017, the government put forward a citizens' assembly. So there was a sample of 100 representatives from Ireland in a room for months and months, and this was all kind of broadcast live, and they listened to both sides, they listened to medical advice, they listened to true kind of case stories from both sides. And when they delivered their report, they kind of gave an overwhelming support for calling for repeal of the Eighth Amendment and legislation for abortion services in Ireland. I was there in that room when they delivered that report, and I can tell you that nobody expected that to kind of to come out so strongly as they did. And this went on to have a parliamentary committee, and eventually we got the date for the referendum. What happened then was the media started to discuss abortion again. I mean, it was something that, given that it was always sort of 50-50, if they had someone on speaking on one side, the other side, myself included, it would be up giving out and saying we need someone from the other side. And it was just this very dull, you know, kind of discussion that kept happening and wasn't really chipping away at it. But what was interesting was, following the Citizens' Assembly, in the media, we started hearing the kind of everyday stories from people, from men as well as women, from couples, from children, you know, from elderly women, from people who had voted to bring in the Eighth Amendment, who now wanted to remove it. And it was really that sort of civic discourse that was starting to kind of to bubble up.
I think this was definitely one of the strongest sides that the Yes campaign had, was that, and through digital media, through social media, people were able, you could just write a blog and publish it and get your story out there, and it was quite moving to hear this. It was harrowing in a lot of ways, to hear these true life experiences, but it made people realize just how everyday it was and how your sister, your neighbor, that couple down the street are all affected by this. Another kind of key element of the campaign specifically were the platforms that came out. So we had doctors for Yes, lawyers for Yes, scientists for Yes, men for Yes. There was also, lawyers for No, there's men for No, don't Google that, that's all I can say, and midwives for No. We had both sides, but I think having that conversation, saying, okay, like for example, I got a call from a lady and she said, I wanted to start Dentists for Yes. And I said, brilliant, okay, what's your angle? And she said, I don't know yet, but Savita Halappanavar was a dentist, okay? And she was medical and she knew that what septicemia was and nobody would listen to her. She was demanding an abortion and she knew what she was dying from. And I want to have Dentists for Yes, and I thought that was brilliant. I thought, that's exactly, go for it. Let's hear that platform. I suppose kind of bringing together all those voices was just what was so key. I suppose kind of on my reflections, I think that had we not had that national discussion as a nation, I don't know if it would have been such an overwhelming majority, Yes. And it's been so key in bringing the legislation through, which we hope to have through in January. It had it been closer, and to think the divorce referendum in 1995, we won that by 0.2%, okay? So this is, we got a 66.4% in this vote and a 1% turnout. So there's a very clear mandate from the people to legislate on this. To compare it with the marriage equality campaign 3 years ago, similar outcome, similar turnout, but the difference was that we kind of knew from polling for maybe 10 years beforehand or 8 years beforehand that was roughly 62%, people supported this. It was getting the political will behind it. In this case, no political party wanted to touch this. And within each political party, there were so many debates and factions. I have to reflect on my own political party, the Green Party in Ireland. Again, when I got involved 6 years ago, this was just a really hot topic. You just didn't touch it, and I was pushing it. I have to give, kind of a shout out to my colleague, Lorna Bogue, who really drove that conversation that had to be had within our party to get people on board and get people to support it. I want to conclude by saying that I think that this is really, it's not a political win, it's a win by the Irish people. It's been around for 35 years, so it's been affected me my entire life. I honestly thought I was gonna hit menopause before this was going to make to be changed at all. I thought it would be for my entire reproductive life, that this would affect me. I've never felt so proud to be Irish. Merci beaucoup. Je crois que ça peut vraiment nous apprendre beaucoup pour tous les combats qu'on vient de nommer. C'est à quel moment on arrive à en faire un sujet quasiment d'identité nationale, au même titre que les conservateurs en font, eux, un sujet d'identité nationale. Nous, on en fait encore un sujet anti-féministe de la dernière porte au bout du couloir et le sujet qu'on met dans les programmes tout en bas, si on a encore de la place, et à quel point on peut arriver à en faire non seulement un sujet de débat national, mais d'identité. Lingering for many years, and I think that this is a very beautiful example of how this came through. And it's a very good example. Ireland is a very good example for the whole of Europe after having depreciated what was going on in Ireland for so many years. And it was so beautiful to see so many Irish people who live abroad who had to go home for this vote. I find it very moving. We are going to
open the debate. I'm going to invite the audience to share their ideas, comments, or ask questions. Perhaps we can contribute as to how we can move forward. Merci à toutes pour vos combats. Thank you very much for your fights and for sharing your stories with us. Because the panel is white today, and I received a message today that relates to the subject. I want to read what was sent to me. J. Marion Sims is considered to be le père de la gynécologie moderne. The father of modern, c'était un gynécologue dans les années 1800 qui a acheté des esclaves noirs et qui les utilisait comme cobayes pour ses expériences chirurgicales non testées. Il a pratiqué à plusieurs reprises la chirurgie génitale sur les femmes noires sans anesthésie, car selon lui, les femmes noires ne souffrent pas. Gynecology on black people without anesthesia, because according to him, black people didn't suffer. If I read this today, it's because I read the surveys on the death of Naomi here in Strasbourg a couple of months back, and what was recurrent in the responses we got was discrimination, physical, moral, et merci, discrimination on fat mais people aussi le fait regarding weight, femme, but also on being regarded as a woman. Par ailleurs, ça se retrouvait chez les hommes aussi. From North Africa, et ou often noire. Muslim, et simplement, and or black. Pourquoi women. Je le dis là, so why moi, I say this here, là, c'est que je pense qu'en termes, en tant que parti, is because as a party, the Green Party should. Remember that you must not only fight against racial prejudice when the doctors intervene, but there's a history and a justification of discrimination on black women or Mediterranean women, meaning North African. There's a whole history of how these women were insensitive to physical pain. So I think that people need to be enlightened and taught about how this is false and has the false construction around this. I would also like to remind people here and the white people here that there has been a lot of, there have been many advances in medicine, thanks to the ill treatment of other women. And I think that this must not be practiced regularly or repeated. Bonjour, merci Hello, beaucoup pour vos exposés. J'avais deux petites questions par rapport à la Convention d'Istanbul. Effectivement, par exemple, elle est ratifiée par la France, qui la respecte absolument pas, France, non seulement par rapport au manque de moyens de centres d'hébergement d'urgence, de mise en sécurité des femmes, mais aussi par rapport à la sécurité des femmes. Par exemple, la Convention d'Istanbul interdit quand une femme va porter plainte pour violence conjugale qu'on lui propose women une médiation, who complain c'est-à-dire de la rabibocher avec le conjoint violent. Et en 2016, par exemple, il y a une femme qui allait porter plainte. On lui a proposé une médiation. Une semaine plus tard, son conjoint l'a brûlée vivante. Et and la France est dans ces cas-là condamnée pour non-assistance à personne en danger. C'était pour savoir s'il y avait des leviers juridiques pour pouvoir multiplier des actions pour mettre la France face à ses responsabilités et d'autres pays, tous les pays qui ont ratifié la Convention d'Istanbul, s'il y avait des possibilités de faire des actions juridiques pour la bousculer et faire en sorte d'obtenir des moyens, notamment en ce moment, on a un gouvernement qui lâche très peu de moyens sur les droits des femmes et notamment contre les violences faites aux femmes. Par rapport à la grossophobie, merci beaucoup parce que vous avez abordé plusieurs thématiques et je vais acheter votre bouquin. As I would say, I'm going to buy your book and read it eagerly. I would like to ask you about something that I think you did not mention regarding harassment in the street, because this is more increasingly politicized. And
I'm very pleased about it because I think it's the more direct illustration of dominating men. Do you have any examples of being harassed in the street? Because that could be could happen very often. With fat je vais prendre une ou deux questions et ensuite on laissera la parole aux intervenantes. Take another couple of questions. Oh, bonjour, moi c'est pas tellement une question. Merci pour vos Hi, I would just like to make a remark. Thank you for your presentations, which were very interesting. I would like to just witness. I'm avec mon collègue élu à la santé qui est aussi élu. A politician in Lille. Donc on s'est On a essayé de travailler cette question, donc on a une instance qui s'appelle le Conseil Lillois de la Santé et qui nous a permis de travailler justement la question de la dépression post-natale. Et donc ce qui fait que c'était vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir travaillé avec toutes ces femmes différentes et donc c'est une question qui se pose et il y a réellement, vraiment je vous ai écouté et je me suis dit, il y a réellement intérêt à ce qu'on pose cette question parce qu'effectivement on est mis au nu discuss this issue et c'est pour ça qu'on riait un petit peu mais un petit peu jaune quand même hein. We were laughing earlier, but on est mis au nu quand on est j'étais enceinte un jour very humorous. Donc we are of course dès qu'on a we get a lot of attention when we are pregnant enfants, but immediately after giving birth we are on est invisible completely forgotten we become invisible mais pas totalement parce qu'il faut aussi que si avant on reprenne totally une certaine ligne et alors c'est une injection extrêmement forte. Moi je ne voyais pas pourquoi j'allais perdre mes kilos et donc je le dis que en fait il y a toujours ces injonctions sur notre corps et all these injunctions that women have to put with about their bodies un témoignage aussi qu'on peut quand même faire quelque chose parce qu'on a et ces femmes ont été accompagnées vraiment and say that things can be done, as we did in Lille. Women got together and created a theater piece that they presented and are going to play again and again ça, mais localement on peut on this, chacune exactly et chacun this topic. Dans nos propres collectivités, and I think we can act in our collectivity. We can find ways and we can find political actors who act as allies. Petite insiste parce que en l'occurrence sur ces questions de maternité, une des conséquences aussi c'est que pour les militantes que nous sommes, quand on est enceinte et qu'on vient d'accoucher, qu'on a des enfants en bas âge, on milite moins, voire on milite plus parce que les cercles militants ne sont pas adaptés du tout à ça. Et Emmanuel peut en parler, mais voilà, je voulais aussi le souligner, c'est important de revoir aussi nos façons de militer pour parce que du coup, ne militant plus. On n'amène pas le sujet sur lesquels qui est pressant pour nous et donc je pense que ça contribue au fait que les associations féministes ont moins traité la question de la maternité tout simplement parce qu'elles étaient constituées ou elles sont constituées de femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants qui n'en ont jamais eu, qui n'en auront jamais ou bien qui sont traitées et qui donc ont plus le temps or are busy taking care of their children and not fighting anymore. Oui, j'ai été très frappé par la façon dont, d'une certaine façon, les premières et dernières interventions se sont répondues sur la question de l'utilisation du nationalisme contre les femmes. Regarding violence against women, so the Irish experience showing that Bulgaria is not a lost case. I have a cousin who is fighting for the right to abortion in Poland, and that relates back to the Beijing conference, where national traditions and anti-Western traditions were used against women. Est-ce que vous pourriez préciser un peu plus I'd sur like comment ça a été dépassé en Irlande? Est-ce que le fait que l'Église catholique ait été Ireland, qui est un peu une partie de l'identité irlandaise
the Catholic Church, part of the Irish identity, like it is part of the Bulgarian identity, and did it play a role in the collapse of its role? How did this happen? Can you enlighten me a little bit? Je vais vous proposer de répondre chacune sur le. I'm going to suggest you answer. Each of you brings an answer to whatever corresponds to your specialty. And better. Okay. Donc je me relance. For the français ou anglais du coup. Okay. Well, for just to have a balanced panel, I'm going to switch to English. For the question on the Istanbul Convention, because it was a specific question, the obvious answer is that it's not only just a very strong instrument because of what is inside it. It's a strong treaty that covers a lot of ground and is very important in its standards. It's also very important because it comes with a monitoring mechanism, un mécanisme de suivi, which means that there is national but independent experts from different member states that come together and that evaluate the countries. They go and check if it's being implemented. That's a very important, not all the Council of Europe conventions have that. It's called the Grevio, and I just looked it up. This is what I was doing on my phone. I was not listening. I was checking. The provisional calendar on the public website of the Grevio indicates that the French evaluation visit is happening in October, this October. So, what you might want to do is, first of all, I don't know if the civil society has already contributed, but like in the UN, the Council of Europe can receive shadow reports. So NGOs have a real role to play in raising, you know, alarm. If there's something going on that you think the expert body needs to look at, you can put this together and send it. The questionnaires also, because before visiting, they send questionnaires that the countries are supposed to reply to collect information, which then is double-checked. But obviously, you facilitate the work of the group of experts if you yourself answer that questionnaire as well, or part of the questionnaire that you are an expert on, with your information, because sometimes it depends on the countries. I'm not accusing all countries to not be very objective, but it happens that they're not the most self-critical, the member states. So this is the obvious thing to do. I think the questionnaire has already been circulated to France. I don't know if it's public, I doubt it, but you can reply or write to the Council of Europe's secretariat to tell them when you visit, pay attention to this, and you should do it quickly because it's in October. Another thing that's important is, so you have international advocacy, the Istanbul Convention exists. If cases are brought to the European Court of Human Rights, the court is going to look at what the convention says, necessarily, and also at what the Grevio, the group of actors, has said in its conclusions. But this is a very long-term process. The other thing, obviously, is to use these standards to lobby nationally. I don't know, maybe through the ombudsman, through national courts, but you know, this is strategic litigation, basically. That was the one very direct question asked to me, but I just want to bounce back on what the gentleman was saying about national identities. I just wanted to give another positive example. Of course, strong religious background usually indicates that these discussions may be more difficult, but if we talk about LGBT rights, we have the example of Malta, which right now is the country ranking highest and doing the best in terms of same-sex marriage, transgender issues, intersex issues, and not necessarily, I don't know about, not abortion, but they also, I mean, it's just to say that it's not, foreseeability is complicated. Malta happens to be one of the last country to have a legalized divorce. I think it was ridiculously recent. I want to say 2011, I think it was something, 2001 or 2011? 2011, it's very recent. Somehow they're leading the way when it comes to LGBT rights, LGBTI rights. So you never know. Now if you take the French example,
To me, I mean, I'm part French. It was devastating what happened in France around same-sex marriage. And there, that has made me extremely nervous around public debates. Yeah, it's great that it worked through a referendum. But I'm not sure what would have happened with a referendum in France. And as a principle, minority rights, minority with quotations, minority rights should not be put through a referendum. It's great that we worked out, but it's not to be necessarily replicated everywhere happily, because it's risky. And it's not to say polls are great, but mobilization is another question. And in France, I'm sure that on the polls, more people would have been in favor of gay marriage. But I'm not sure if all the people who are relaxed with the topic would have necessarily mobilized, whereas I'm sure that the people who were against it would have mobilized, as we saw. Just some, again, cautionary, the negative Nancy over here. Alors, du coup, je reprends les différentes choses. I'm going to go back to what has been said. Ce que vous avez dit, qui êtes élu à Lille. Regarding what you, your intervention. Et sur quoi Charlotte a rebondi, c'est vraiment. And what you do in Lille. Il y a quelques mois de ça, notre cher président est venu dans les quartiers populaires présenter un nouveau plan comme d'habitude, et à ce moment-là, il a salué les mamans. To present a project and greeted the mothers. And what was unbearable was the vocabulary that is used when we talk about carers, daycare, preschool, mothers, etc. And we find it very depoliticized. So we consider that mothers are not political and not part of the political scene. Du vécu des femmes qui sont les premières concernées parce and qu'elles sont sur des problématiques surtout sur des enfants sur des problématiques extrêmement concrètes et qui touchent à des domaines qu'on n'envisage pas à première vue. Je pense par exemple that on le sait là, les choix qu'ont les villes sur la semaine d'école de 4 jours ou pas. On sait que mettre les enfants à l'école le mercredi ça a un impact sur la vie professionnelle des femmes. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on est their possibility to work. So we have to remember that women are at the forefront of this issue. It's very important to interview women when we want to make these decisions. When we talk about green spaces and how we organize a city or its transport, we have to remember that women are at the forefront of this issue as well. For example, when I was pregnant and I had small children, it was very difficult to use the pedestrian crossings when the time for crossing was very short because I had to gather my children and I was tired, etc. There are examples like this, and where I think that women and other invisible members of the population have to be questioned and have to have a say. Assez rapidement. Ça, c'est la première chose. That's the first thing I wanted to say. Sur l'injonction des femmes à retrouver leur ligne. Et là, je ne veux pas dire de plus, parce que moi, je ne veux pas du tout. Les femmes qui font du 42, ça n'a rien à voir avec faire du 56. Ce que dit Daria, c'est d'autres problématiques. Mais il me semble que ces injonctions des femmes à retrouver la ligne, c'est quelque chose qui se rapproche de la grossophobie, en fait. Enfin, je pense que this is related to fatophobia. I know that a woman who wears a size large and a woman who has to buy triple XL is very different. But I know that our status is sort of linked, and I'd like to be interested to. I would be interested to know what Daria thinks of this. Regarding national identity and the feminist issues, it's difficult for me to position myself. We're still a young collective, and in France, there is a very proud discourse because women work and have children. But I think it's important to say that it's very difficult. It's very difficult
difficult to do both, that women suffer, and that we are going to have to cry out and cry out loud that the situation is not easy. And I think we need a development on the social level, and we need new rights relating to this. We need family holidays to be changed, and I think there's a fight that needs to be led at this level. Quelque chose qui nous porte, en fait. Voilà. J'ai dit beaucoup. Alors, pour ce qui est du harcèlement de rue, regarding c'est une bonne question. Alors, nous, les stratégies qu'on développe pour le harcèlement de rue, c'est de l'autodéfense féministe. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, on tient en politique, on donne des cours d'autodéfense féministe, parce qu'on appelle... feminist self-defense, and we incite people to respond when they are harassed, especially in public places. So we believe in take back, so we want to take back public spaces that have been created for men, for valid people, and for slim people. So we teach people to fight back when they are harassed. That is, having been said, minorities and fat women are harassed the same way as other minorities and fat men. And one thing that we prone on social media is that people say that if someone's fat, no one wants to rape them. Well, that's not true. And in fact, it is discrimination that can be mixed with others. So if you are of a different race and fat, then that is a different problem from being a fat woman that is handicapped. If you are fat and a woman, then that leads to different issues again. So yes, we are harassed in the street. I don't want to create a scale of violence, but for us it's like a double violence. Toi, la grosse vache. And sometimes we get very unpleasant remarks that mean that we get an unpleasant remark, that, and added to that, there's a remark about our weight. So it's like a double violence that we... J'avais une question, oui, de ta part sur la perte de poids. Alors nous, à Agrapolitik, je tiens à répéter qu'on ne fait ni la promotion de l'obésité, ni la promotion de l'amaigrissement. On ne fait même pas la promotion du body positive, cette notion qu'on déteste au sein du collectif. Nous, on parle de body neutral. On se dit que déjà, si on arrive à être OK dans le corps qu'on a, avec tout ce qu'on s'est pris dans la gueule toute notre vie, c'est déjà un énorme miracle. Donc le body neutral, c'est tout un autre truc. Il faut faire la différence entre le body neutral et le body neutral. Il faut faire la différence entre le body neutral et le body neutral. Through dans laquelle we consider that's already a huge fight that toutes les femmes overcome du 32 when we talk about body shaming sont body shamed parce que le corps des femmes et des minorités de genre ne correspond jamais. We believe that that relates to everybody in the whole world because everybody is always wanting to change their body and will never be as perfect as it has to be, whether they wear a 32 or a 74 size. Mais par contre, toutes les femmes ne subissent pas de la grossophobie. Now, however, not all women suffer from fat phobia. Fat women suffer from that, voilà, like black women suffer from racism. But, of course, some people, some women who wear a size 42 or a size large suffer from criticism, but it's nothing to do with fat phobia. And because I have the microphone right now, I'm going to draw attention to the fact that I am Daria, I work for the Greens, and... Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on vote pour vous, faites un truc, quoi. If, when we talk about visuals, we consider that no one is fat. Pas forcément d'Europe Écologie Vert France, mais il peut arriver sur des publications liées à l'écologie, que ce soit des véganes, des végétariens, de la défense regardless des animaux, etc. On utilise le corps des gros comme une représentation de la société de surconsommation. The issue that we are discussing, we often use fat people as an excuse and as something that is a problem related.
related to another issue. It's like we're exaggerating the problem. So we are not representative of the problems in the world. We have nothing to do with McDonald's. We have nothing to do with Burger King. We have nothing to do with Total. We have nothing to do with animal cruelty. People say that by fighting obesity, you can fight other issues, but I don't think that adds up. Ne cautionnez plus ça, ne faites plus ça. So et please don't support these movements. Think of diversity, accept people as they are, and accept that fat people want to be activists as well. Thank you. Thank you. So just to answer your question about, and I think it's a very, very important one, the decoupling of the Catholic Church from Irish national identity. What I think is interesting is, I don't know if you're aware, but this weekend the Pope is in Ireland. So I came here. and he's spending 2 days there and saying some masses. And I suppose to compare it, and there's a lot of, you know, kind of articles in the press and on the news about the last Pope's visit in 1979. Which was just, it's worlds apart, you know, to compare the two visits and the turnout that is expected. There were 2.5 million people attended the various masses in 1979, and they're estimating that this one will be in the region of 500,000. So that's quite a significant drop. And I think a key factor is, you know, even though the church provided services such as education and such as healthcare, you know, education in particular kind of led to their own downfall by kind of educating people to have, like myself, to you know, have the skills and the opportunities to question everything around me, you know. But also about 25 years ago broke some scandals with regards to child sex abuse and industrial schools where really kind of awful atrocities were going on for some time. And the Magdalene Sisters, exactly. And I think like since that broke, we've had scandal after scandal. We had these laundries where women who, a fallen woman, a woman who became pregnant out of wedlock was placed there. In the lead up to the campaign, just a few kind of weeks before the vote, there was a big kind of scandal uncovered called the Tuam Babies scandal. And it's one of these laundries where a mass grave of hundreds of babies' corpses were found. And we don't know why they died. Is it through the poor care that women were given, or we don't know. I don't like to think about it in too much detail. But I think what's interesting is on Monday, after you know, many articles and many kind of calls from many Catholics within the country, that really the Church and the Pope had not apologized explicitly for the child sex abuse and its cover-up, both in Ireland and across the globe. The Pope released some letter apologizing to all Catholics, you know, and that's 25 years ago when it first broke, and a lot of Irish people are Catholic. A lot of my family and friends are Catholic, but I can tell you that they're no fools and they have no time for that. So I think that it's a practice, and it's kind of like what you were saying, you know, it's kind of like I'm a vegetarian, I'm a vegan, you know, it's something that's part of your identity, but it's not totally what makes you Irish whatsoever. So I think that decoupling was very key and paid a big role in us not accepting the total dogma of the church in how we position ourselves as Irish people and how we run ourselves as a state. Un grand merci à toutes, vous m'entendez? Oui. Un grand merci à toutes. On va devoir s'arrêter là. Thank you very much to everybody. We are going to have to stop now because we have gone over time. Mais on peut continuer et we can pursue this debate. Today, and I would like to thank Fatima for her intervention and her colleague. Il y a eu beaucoup de liens aussi avec un autre atelier qu'on a organisé sur l'espace public. There are many links between this workshop and another workshop that we organized.
gender. So let's keep up the fight. And if any of you want to continue and pursue the debate regarding the decolonization of our bodies, please join the Feminist Convention. Thank you.